Et moi je suis pas de session trash. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Les amis, nous allons réagir à des vidéos un petit peu what the fuck sur le jeu. Nous allons voir la logique un petit peu improbable de Minecraft et les bugs les plus fous de Minecraft. Bref, reste jusqu'à la fin, mets un maximum de likes, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Bref, je vous embête pas plus, bon visionnage. C'est parti les potes, pour la première vidéo, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend. Du coup, c'est une totale découverte les potes, je n'ai vu aucune vidéo avant de tourner le rec. Du coup, voilà, il est en train de tuer les zombies qui sont dans l'eau, d'accord. Bon, jusque là, tout va bien. Ok, là, il tombe sur une grosse crevasse, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... Ok, bah pourquoi il a sauté? Ok, d'accord, alors attention. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il bloque la source d'eau pour avoir pied, tout simplement. Ok, il remet un deuxième bloc, d'accord. Bon, là, c'est bon, là, il n'y a plus d'eau, ça veut dire qu'il peut marcher. Ok, oh, ok, du diamant, du diamant, du diamant. What? Les amis! N'importe quoi! Mais what? Ok. Bon, les potes, c'est du gigatroll. On a vu Sirened en train de danser littéralement. C'est n'importe quoi. Si vous connaissez Sirened, mettez un like et dites-le moi dans les commentaires, d'accord? C'est un petit peu bizarre pour le coup. Ok, bon, on va voir c'est quoi la prochaine. Alors, du coup les potes, pour cette vidéo nous irons, nous allons réagir à deux vidéos. Du coup, deux vidéos what the fuck en un les potes, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous conseille de mettre un like pour un épisode 2, ça fait plaisir. Alors, danger. Ok, ok, lui il casse le panneau, il s'en fout complètement. Il rentre à l'intérieur, il casse. Ok, bon, on connaît très bien, à l'intérieur, il y a un piège, d'accord, il y a une plaque de pression. Il ne faut pas marcher dedans, les amis, sinon vous allez exploser en confetti. Du coup, voilà, faut faire attention. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, d'accord, il fouille un petit peu pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les coffres et tout, d'accord. Ok, prends, fais comme si de rien n'était, mon ami. Voilà, prends les pommes d'or, c'est important, la petite selle. Oh, what? What? De base, il n'y a pas ça, de base, il y a un coffre. Ok. Qui va casser pour voir? Ils sont trop bêtes. Ah bah si c'est bon, ils me saoulent. Oh non les amis, ils commencent à me saouler. C'est n'importe quoi. Bah attendez, mais c'est une blague. À chaque truc qu'on va voir, on va voir sa RNED. Mais non. Mais non. Oh là là, regardez, il est en train de danser. Il est en train de danser, littéralement. Bon, on va voir un petit peu c'est lequel celui-là, s'il y a encore sa RNED. Je me tire une balle, ok. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Alors, du coup, il est en train de se balader dans la ville. D'accord, il y a plein de petites fleurs et tout. Oh, là-bas, il y a un petit lapin. Il y a un petit lapin. Mais non, mais pourquoi tu tapes le lapin? Il a rien fait, le lapin. Mais pourquoi tu l'as tué? Il fallait pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? La musique est stylée au passage, en vrai. Hein. Elle est stylée. Alors, ok, pour l'instant, il fait rien d'exceptionnel. D'accord. Ok, bon, ouais, là-bas, il y a une grosse grotte, hein, on l'a vu depuis tout à l'heure, hein, bien évidemment. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que, bon, voilà, quoi, c'est un petit peu bizarre qu'il y ait une grotte comme ça. Ah non, me dites pas qu'il y a encore un Sirened. Oh non, sinon, c'est plus marrant, ouais. What? Du diamant? D'où? Depuis quand? Ok. Il prend, vas-y, prends. Oui, oui, oui. Moi, j'aime bien le diamant. Ouah, mais il y en a beaucoup. Trop bien. Ok, allez on prend. Par contre c'est un petit peu bizarre que le diamant se trouve ici hein. De base le diamant il est profond dans la terre. Il faut creuser, creuser, creuser. Ok, bon là il a 7 diamants sur lui. Ça lui en fait 8 maintenant. Voilà, nickel. Ok, mais il y en a combien de diamants? C'est incroyable ça. Trop bien, trop stylé. Alors, attention. Le verdict les amis. Le verdict. Et... Ok, bon, les amis, j'ai changé de vidéo parce que, bon, l'autre, il avait que du Sirened et, bon, enfin, c'était un petit peu relou. Bon, là, j'ai changé de vidéo, les potes. Je pense que celle-là sera un petit peu plus instructif. On va voir ça, les potes. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il récolte du blé, d'accord? Il a trouvé un village. Il est en train de littéralement piller le village. Il vole tout ce qu'il voit. D'accord?
Attention les amis, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il se balade. Ok, bonjour monsieur. What? Hein? Mais what? Mais c'est pas normal ça. Il y avait un tout mini golem qui avait la force d'un géant golem. Ok, bon, ça c'était un petit peu bizarre, hein, les amis. C'était un petit peu chelou. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de miner du charbon, tranquillement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Du fer. D'accord, bon, il est en train de miner, hein, littéralement. Il va tomber sur quoi, les potes? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire comme découverte ou... Ok, bon. Je pense qu'il va remonter à la surface, histoire de cuire tout ce qu'il a récolté, hein. Du coup, c'est... Hein? C'est moi, il y avait un creeper. Coucou, creeper. Ah! Ah! What? Ah! Mais what? C'est n'importe quoi! C'est littéralement n'importe quoi, les amis! Non, c'est une blague. C'est une vraie blague, les potes. Non, c'est pas possible. Il a fait des creepers. Alors là, niveau chance, zéro. Par contre, vous ne savez pas que les creepers, ils pouvaient monter les échelles. Hein. C'est un peu bizarre. Ok, bon, ça je connais. Hein. Ça, on connaît. D'accord, le gravier, bon, avec une torche, et ben, ça part. Et du coup, avec du sable, normalement, c'est la même chose. Oula, il s'est fail. Normalement, s'il met la torche, et ben, tout tombe. Voilà, pareil. Pareil. Ok. Qu'est-ce que tu fais là, bébé cochon? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ok, d'accord. Pourquoi pas? Alors, au carmo, il a fait... Oh, mais il a fait des rails de redstone et tout, juste pour ses mines, quoi. D'accord, ok. Pourquoi pas? Oh là là, malchance de ouf quoi. Oh, c'est n'importe quoi. Je kiffe réagir à ce genre de vidéos, les amis. En plus, vous avez ma réaction en direct live. C'est n'importe quoi. Oh, trop bien. Ok, bon, attendez. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il va faire là? Il fait des petites planches, table de craft, d'accord. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Pioche, hache, épée, c'est ça? La base. Ok, d'abord, tu nous fais des petits sticks, d'accord. Tu nous fais une pioche pour commencer. Ah non, une hache. Une hache, pourquoi pas, d'accord. Là, il va nous faire une épée, ok. La belle petite épée, d'accord. Bon, c'est la base sur Minecraft, hein. Ok, bon, là, il bute une vache, il bute une deuxième vache. Ok, j'ai envie de te dire, c'est la base. D'accord. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Oh! Non, fais pas cette erreur. Non. What? Non, je t'ai dit non, fais pas ça. What? Le mec, il y a une invasion d'abeilles. Il y a une invasion d'abeilles, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est n'importe quoi. Ok, bon. Bon, bah, rip, hein. rip, hein, les potes. Un maximum de rip abeilles. Dans les commentaires, vous écrivez rip abeilles. Parce que là, le poteau, il a pas eu de chance, hein. Voilà, quoi. Il a vraiment pas eu de chance pour le coup. Du coup, bon. Ok, bon. Il redémarre une survie. Go casser du bois, d'accord. Pourquoi pas. Oh, il y a un renard! Il y a un renard là-bas! Ok, il y a un renard! Oui! Ah! Mais pourquoi? Mais pourquoi t'as fait. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? N'importe quoi, le renard il a tapé, il a fait un gros plongeon dans la lave, quoi, c'est n'importe quoi, il est trop bête. Ok, bon, là il est dans le nether, changement d'ambiance, ok, il revient dans le monde normal du coup. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde normal? Alors, ok, du coup il est revenu, il est chez lui, d'accord, il a fait le portail dans sa maison. Oh, oh le bug! What? Tout a explosé alors qu'il voulait dormir dans le lit. Parce que ceux qui ne savent pas, quand tu dors, tu me poses un lit dans le nether et bah tout explose. Et bah là du coup c'est ce qui s'est passé, mais dans le monde normal. Bon bah pas de chance. Là par contre il a un beau filon de diamant, il a eu beaucoup de chance pour le coup. Voilà, ok, casse-moi tout ça, nickel. Non, casse pas, te mets. Il arrache kit. Oh, quoi? What? D'où
D'où? Jure, on peut faire ça? Regarde, il quitte. D'accord. Et quand il repart sur son monde, du coup, il prend zéro dégâts. Mais non, mais ça, c'est un gros bug, ça, c'est pas possible. Oh! Incroyable. Incroyable, les potes. Ok, je ne savais pas. Ce bug-là, je le découvre avec vous, les potes, c'est n'importe quoi. Enfin, si vous le connaissez, le bug, ben dites-le moi dans les commentaires. Moi, je le connaissais pas du tout, hein, vraiment. Ok, bon, là, il rentre chez lui. Oh, mais je suis choqué encore, quoi. C'est nimp. Nimp. Ok, bon, les Ender Pearl. Ok, je suis sûr qu'avec cette Ender Pearl, il pourra faire quelque chose. Oh, vous avez entendu? Ok, il y a un système de redstone grâce à cette Ender Pearl. D'accord, qui nous ramène dans un coffre. Ok, avec des trucs assez sympas à l'intérieur. Pourquoi pas? Du coup, vas-y, tu peux remonter, mon pote. Remonte. Ok. Bon. Du coup, il va refermer le passage, logiquement. Il l'a refermé. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il le retourne encore. What? J'ai pas très bien compris, là, en vrai. Ouais? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Ok, bon, je pense qu'il voulait nous montrer le système redstone. Le système redstone, pardon. Oh, ok, bon, le mec, il arrive à voir ce que fait le mec. D'accord. Je crois qu'il est en F3N. Hein. Il est en F3N. Ah, par contre, ça, j'ai jamais testé ça. Hein. C'est chelou, ça, en vrai. Hein. Je sais pas s'il est en... Ah, mais non, il est pas en F3N, il est en créatif. What? Ok, ça, c'est un gros bug, ça, par contre. Ça, c'est un gros bug. Et il a trouvé de l'émeraude, le minerai le plus rare de Minecraft. Dites-moi dans les commentaires pour vous, quel est le minerai le plus rare de Minecraft? Entre le diamant, le lapis-lazuli, le fer, l'émeraude, la redstone, enfin bon. Vous me dites le plus rare pour vous. Moi, pour moi, c'est l'émeraude. Voilà. En tout cas, là, elle est tombée sur un vrai bug, quoi. Un gros bug. Let's go. Alors, pour celle-là, qu'est-ce qu'on a? Oh, on est dans le western, bro. On est dans le western. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un village normal à côté d'un village abandonné. Et en dessous, il y a une grotte, ok. Qu'est-ce que... What? What the heck? What the fuck, bro? Ok. Pourquoi pas. Minecraft logique, ouais. Bon, tu te brûles, tu vas dans l'eau. D'accord, pas de problème. Ok, tu te brûles. Ok, tu vas dans un bateau. Le bateau va dans l'eau et toi tu restes encore en feu. What? Ok, bon, ça c'est un bug. C'est un giga bug, d'accord. La logique de Minecraft, hein. Ça donne ça. Ça donne ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais. Alors, ok, on est dans le village de Franklin. Eh, hey, salut Golem, comment ça va mon ami? Tu veux une copine? Je vais t'en faire une. Je vais te faire une belle copine. Voilà, regarde. Et voilà, je te présente Marine, ta copine. Hein? Oh! Ok. Bon, je pense que Marine te plaît pas, tu veux quelqu'un d'autre? Mais le golem là, il est en train de démonter tous les villageois. Ah! Mais t'as fait quoi? Il t'a ramené à la vie! Il t'a ramené à la vie! Il t'a ramené à la vie! Arrête de faire ça! Pars! Wow! Oh! Il est en train de défoncer tous les villageois! Normalement, c'est les golems qui doivent protéger les villageois, mais là, du coup, bah non, c'est pas ça. Alors, il récolte du sable. Du coup, avec le sable, les amis, sur Minecraft, on peut se faire des vitres. Voilà, vous prenez le sable, vous le mettez dans le four, ça vous transforme en vitre, d'accord, pourquoi pas. Bon, toi, les zombies, tu vas pas saouler très très longtemps, ça, c'est moi qui te le dis, voilà. Par contre, il fait jour, et d'où vous arrivez à être en vie, en fait? Bon, c'est pas grave, démonte-le, voilà, comme ça, c'est fait. Dans le coffre, qu'est-ce qu'on a? Une potion d'invisibilité, de la gunpowder, d'accord. Ok, il va faire des TNT grâce à la... Ah oui, tu peux aussi faire des TNT, bien évidemment. Du coup, il se met en invisible. Il jette tout ce qu'il a. Ok, du coup, là, personne peut le voir. Oh. Oh, il se met à côté du creeper, il le voit pas. Hein? Quoi? Les creepers, quoi? Quoi? Oh! What? Les amis, c'est une blague. C'est vraiment réel, ça? On peut faire ça? Est-ce qu'on peut vraiment faire ça, les potes? Mais c'est trop stylé! C'est littéralement trop stylé, les amis, mais c'est trop bien!
Regardez, la femme est creeper. Trop trop stylé. Oh, dites-moi si c'est possible de le faire dans les commentaires. What? Alors, pourquoi ça marche pas? Il remet le... Ok, bon, le feu... Le bateau prend feu, d'accord. Pourquoi pas? Alors, la logique de Minecraft. Alors, là, nous avons un zombie, un squelette et un villageois. On met des enclumes au-dessus de chacun et nous allons voir leur réaction. Expérience sociale. Ok, le zombie meurt. Le squelette explose. Et le villageois? Le villageois reste en vie. Mais dites-moi, nous avons Superman devant nous. C'est n'importe quoi, ça. Superman, d'accord. Alors, ok. Nous avons un aventurier qui est parti seul dans le désert. Il est parti seul dans le désert avec sa pelle à la main et un petit peu de pain avec lui. C'est parti, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Alors, il va creuser pour essayer de trouver une grotte peut-être. Ouais, j'avoue. Pourquoi c'est si lent alors qu'il a une pelle? Ouais, j'avoue, ça c'est un bug ça. J'avoue, t'as une pelle en fer et t'as... Ouais, ok, il a vraiment du mal à miner la terre. Ok, ça c'est un giga bug. Ça, c'est un giga bug, ça c'est moi qui te le dis mon pote. Hein. Ouais, non. Ouais, c'est... Oh là, c'est chelou. En vrai, c'est mieux que tu casses avec ta main, en vrai. Hein. Vraiment, hein. Parce que là, c'est n'importe quoi. Ok, what, c'est n'importe quoi, en vrai. What? C'est quoi tous ces bugs? C'est quoi tous ces bugs? Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon. Il veut pas casser. Ok, d'accord, il rentre. Oh, ok, il a aménagé le temple rien que pour lui. Du coup, il va se prendre quoi? Une pioche, un stuff. Il faut une hache, mon ami. Il faut une hache. Il faut une hache pour le bois. Au cas où tu ne le saurais pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il monte tout en haut de la colline, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire quand il monte tout en haut? Oh, il a une belle petite crevasse. Il va sauter dans l'eau, d'accord? Normal. Ok. Il tombe sur du diamant. Bon, c'est un petit peu bizarre ça, mais bon. C'est Minecraft, hein. On peut s'attendre à tout sur le jeu, voilà. Voilà. Ok, nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il remonte en haut. Il a récolté 5 diamants. Il est plutôt content de sa petite récolte. Il mange son petit pain, regardez-le. Allez, petit Steve, t'es content? Alors, il y a un creeper, c'est ça? Non? Il y a quoi? Ouais, il y a un creeper, c'est sûr. Non, même pas. Pas très bien compris. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire une hache en diamant et il lui donne une hache en bois. What? Ok, d'accord, il y a sa hache en bois. Attendez, est-ce qu'il va casser vite du coup? Même pas. Oh l'arnaque, c'est n'importe quoi. Fais gaffe. Oh oui, mais il y en a beaucoup des creepers là. Fais attention. Marche pas. Ok. What? Mais il y en a trop. Tu l'es. Ok, nickel. Oh, mais attendez, mais il est arrivé où? Il est arrivé dans la ville creeper ou quoi? Dans le pays des creepers. Il crève de cœur. Fais attention. Barre-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Ok, d'accord, vas-y barre-toi maintenant. Oh, il y a un coffre. Prends le coffre. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Oh, 21 diamants les potes, incroyable. Ok. Mais pourquoi tu les jettes les diamants? Hein? Il mange la poudre la poudre à canon n'importe quoi, ouais. Oh, il s'est transformé en creeper! What? C'est bizarre ça! What? Les amis, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je me suis super bien marré. Voilà, si tu veux un autre épisode du même style, mets un like, dis-le moi dans les commentaires et abonne-toi si c'est pas encore fait, c'est vraiment important. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Soutrash. Peace!